Takže hezké odpoledne, milí kolegové. Vítám vás na první tiskové konferenci letošního 49. Karlovarského festivalu. Bude se týkat úvodního soutěžního filmu, vyrobeného v koprodukci Belgie a Kanada, Jsem tvůj. Chtěla bych vám představit přítomné hosty. Takže pan režisér David Lambert. Zcela nalevo producent Jean-Yves Rubin. Uprostřed představitel hlavní role Nahuel Pérez Biscayar. A vedle mě It's okay, the pronunciation. A vedle mě je generální manažer fondu Valimáš, pan Filip Renach. It's okay. Tak, prosím, viděli jste velmi zajímavý a velmi působivý film a jistě vás inspiroval k zajímavým otázkám. Prosím, vzadu paní Spáčilová, potom paní Spáčilová dnes, dobrý den. Já bych také chtěla poděkovat za velmi podmanivý a zajímavý start soutěže. Ráda bych se zeptala na jeden detail pana režiséra, který je zároveň scenáristou, jestli jsem to správně přečetla. A sice jde mi o ten motiv pekařství, který je velice zvláštní, ve filmu málo používaný. A má tam báječnou roli jak toho prostředí, tak do jisté míry smyslnou. Tak jsem se chtěla zeptat, jak jste na to přišel, jestli to byl od začátku první nápad, nebo jste přemýšlel, kam umístit vlastně tu na pohled nesourodou dvojici. Děkuju. First of all, hello everybody and thanks for being here. I speak English and then I'm going to speak French. Donc, merci pour d'être venu ici et d'avoir vu mon film ce matin. La boulangerie, ça vient de ma vie. J'ai longtemps filmé une boulangerie parce que j'avais une histoire d'amour avec un apprenti boulanger qui a d'ailleurs inspiré mon premier court-métrage qui s'appelle Vivre encore un peu, que j'ai fait maintenant il y a 5 ans. Et après avoir fait Vivre encore un peu, j'ai voulu réexplorer à la fois le lieu et j'ai voulu le réexplorer avec cette idée que avec cette idée du plus vieux métier du monde. Ça veut dire qu'il y avait un parallèle avec la prostitution, ça veut dire faire des choses basiques comme un pain me paraît aussi quasiment aussi archaïque et ancestral que vendre son corps contre un peu d'argent. Donc il y a là quelque chose de très cinématographique, et il y a aussi quelque chose de très, dans le décor de la boulangerie, d'à la fois visuel et qui joue avec le temps. Le temps d'un boulanger est un temps qui est hors du temps. Il y a quelque chose qui... Il faut se lever à 2h du matin pour commencer à travailler à 3h. Donc tout le rapport à la temporalité change quand on travaille dans une boulangerie. Voilà, j'espère être un peu complet. Mais... Děkuji. Prosím, paní Podskázka a potom tady paní Vanderpředu. Podskázka, Deník, dobrý den. Já se zastavím s dovolením také u scénáře a zeptám se, protože jste si ho psal sám, vlastně, co vás inspirovalo k tomu příběhu, jestli jste se inspiroval nějakým konkrétním případem, nebo jestli je to celé fikce. Děkuji. Oui, c'est une fiction totale, évidemment, et en même temps... Et en même temps, j'ai connu des prostituées, j'en ai rencontré beaucoup, et donc c'est une fiction qui a inspiré de choses, évidemment. J'étais obèse quand j'avais 15 ans, mais je n'ai jamais été boulanger, je n'ai jamais été prostituée, enfin tout ça. Mais je reprends des éléments de ma propre vie pour essayer de créer une fiction avec ce que je connais. Le gros désir du film était que quand je fréquentais, que je rencontrais des prostituées, je n'arrivais pas à trouver un film qui rende compte de ce que ça peut être, à la fois d'être prostituée et à la fois d'être client. Et je n'arrivais pas à trouver un film qui, qui, qui,
qui rendait compte d'une trajectoire, enfin, comme j'ai pu en voir, de sortie de prostitution. C'est un personnage qui peu à peu essaye de ne plus faire ce qu'il est en train de faire, de sortir du cadre, de s'émanciper. Et tout le cinéma que je voyais, y compris des très bons films, du genre Vivre sa vie de Godard, peut-être à l'exception de My Own Private Idaho de Gus Van Sant, mais tout le cinéma que je voyais, il y avait à peu près toujours la même dramaturgie appliquée au personnage de prostituée, qui est la suivante, qui est on tombe dans la prostitution parce qu'on n'est pas bien dans la vie, etc., etc. On fait de la prostitution, évidemment, et puis il y a toujours une interaction avec un client qui se passe très mal, qui est très violente, et puis après, on est dans la rédemption. On n'en peut plus, et puis on en sort. C'est une dramaturgie classique de films américains, français, de l'Est, partout, c'est toujours la même chose. Et je trouvais que ça ne rendait pas justice aux personnes que je pouvais fréquenter, et ça ne rendait ni justice aux prostituées, ni justice aux clients, parce que c'est quelque chose qui est quand même d'une complexité extrême. Alors je n'ai pas de discours général à faire. À la place de faire un discours général que tout le monde sait sur la prostitution, j'ai essayé d'approcher des personnages extrêmement spécifiques. Est tellement particulier que bah, c'est une histoire voilà, qui peut-être amène une autre approche sur la chose, même si le film dépasse aussi le strict thème de la prostitution. Děkuji. Prosím tady pan Vefřeva, potom Agáta Filátová. Hello. Eli Ruderman, Eurochannel. Hello, thank you and congratulations for your film. My question was about music. I'm interested in the way you use music to in the film. The music in the film changes, first of all, based on the character's mood and also based on different situational elements. And my question was, do you use music to show how the characters are perceived by others or how they view themselves? Ma question c'était sur l'utilisation de la musique. Est-ce que vous utilisez la musique pour montrer comment les personnages sont perçus par les autres ou au contraire comment ils se perçoivent eux-mêmes? And then I also have a question for the actor when you're finished. It might be something else. Non. La réflexion sur la musique dans mes films, elle vient d'abord de se dire qu'il ne faut pas de musique. Et elle vient d'essayer d'inclure la musique à l'intérieur de scènes qui sont vraies. Ça veut dire quel est l'espace musical de la scène qui est le réel. Une fois qu'on a ça, on commence à travailler. Par exemple, une des caractérisations du personnage d'Henri, le boulanger, était qu'il était fan d'Offenbach. À partir du moment où on base le personnage sur le fait qu'il est fan d'Offenbach et d'opérette en général, on se dit, tiens, dans sa boulangerie, évidemment, il y a de l'Offenbach. Il met au beau milieu de la nuit, quand il travaille avec Lucas, il met de l'Offenbach. À partir de ça, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait comme délire par rapport à Offenbach? Donc, il y a cette scène de danse, évidemment, sur « Ah, que j'aime les militaires », qui est, ce que j'ai envie de dire, la plus liée à la narration, parce que la musique passe, il danse dessus, etc. etc. Après, on essaie de trouver ce qu'il écoute au bon moment. Et en fait, ça, c'est pas très compliqué, ça, de trouver ce qu'il écoute au bon moment, c'est assez facile. Ce qui est compliqué, c'est de trouver les silences. Et j'ai expérimenté des choses par rapport à mes deux autres films, où il y a aussi beaucoup de musique, enfin, mon premier long-métrage et mon autre court-métrage, c'est de se dire, on n'est pas spécialement obligé d'aller dans un code réaliste. Ça veut dire, il y a un moment, la musique s'arrête. Parce qu'on suit l'émotion, et qu'à un moment, il n'y a plus besoin de ça. Voilà, ça c'est un peu la première partie sur Henri. Après, pour soutenir le personnage de Lucas, j'avais envie qu'on soit plus proche de lui à certains moments de solitude qui sont des moments d'introspection où il y avait quelque chose, il y avait tellement de musique du côté de Henri qu'il fallait aussi rééquilibrer. Donc je l'appelle toujours DJ Ram parce qu'il a un nom absolument imprononçable, donc je vais continuer à l'appeler DJ Ram. C'est un très bon musicien montréalais qui fait maintenant de la musique de film. On a travaillé sur l'intimité, le côté très organique du personnage de Lucas, son côté ventre tordu et torturé, pour trouver vraiment les sons et les moments qui allaient sur les quelques moments du film et qui sont les moments clés, qui sont les moments d'introspection, qui allaient nous permettre de le suivre dans son émotion. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une confrontation musicale. Alors la troisième couche, il y a énormément de couches musicales dans ce film, c'est de se dire, à côté de l'intimité de Lucas, c'est de se dire qu'est-ce qu'il écoute
avec le MP3. Et comment rendre compte de ça cinématographiquement? Ça veut dire où se place-t-on au niveau du plan sonore? J'ai ma caméra comme ça, il y a l'écran, enfin, qu'est-ce qu'on entend exactement du MP3 et à quel moment justement on va aller plus loin? Ça veut dire on va augmenter le volume d'un son qu'en fait on ne peut réalistiquement pas entendre. Je fais une conférence sur la musique de mon film, j'en suis désolé, j'espère que je ne suis pas trop long. Děkuji. Prosím Agátu Filátovou. Potom pan Sabo. Já se nejdřív připojím k uspokojení nebo k radosti z dojmu z tohoto filmu, který už vyjádřili tady ostatní. A chtěla jsem se zeptat, ten film má svým způsobem šokující expozici. Dělá, co může autor, aby hlavního hrdinu učinil nesympatickým na tom začátku. Je to šokující, ale pak minutu po minutě se nám stává ten chlapec sympatický, příjemný, pochopitelný a fandíme mu. Což jednak je, bych ráda vyjádřila uspokojení nebo spíš pochvalu hlavnímu představiteli. A jednak jsem se chtěla zeptat autora, bylo to vaším úmyslem od začátku, od toho šokujícího, nesympatického expoze ho učinit postupně vývojově přijatelným a přátelským pro nás, pro diváka. Oui, c'est une trajectoire qui en effet est confrontante au début et même dans la manière dont ça évolue, qui est de plus en plus tendre. Enfin, il y a quelque chose qui évolue vers la tendresse et vers une certaine compréhension du monde. J'ai envie de dire en anglais... j'avais trouvé une sorte de pitch que je trouvais assez bien résumé en anglais. C'est des personnages qui they stop fucking and they try to make love. Et je pense que c'est un bon. Ils arrêtent de baiser, ils arrêtent de se baiser l'un l'autre et ils essayent, comme ils peuvent, tous les trois d'ailleurs, de faire l'amour, d'être dans la tendresse et pas dans la consommation quelle qu'elle soit, qu'elle soit sexuelle. Enfin bon. Mais oui, il y avait autant hors les murs. Mon premier film était un film qui commençait bien et qui allait droit dans le mur. La trajectoire ici est exactement inverse. Ça veut dire que ça commence de manière assez dure, avec un personnage en souffrance. Et peu à peu, j'espère, vous êtes vraiment les premières personnes à l'avoir vu sans avoir travaillé dessus. Vraiment. Monde à avoir vu ce film. Donc je suis... je suis contente de vos réactions et de vos remarques parce que ça me réconforte et ça veut dire que les intentions sont rencontrées. Donc je vous remercie encore. Mais voilà, donc c'était vraiment cette trajectoire-là vers un peu plus de tendresse dans ce monde de brut. Děkuji tady, přeju pan kolega. Hi. I have a question for the director. You insist on the fact that this film is... universal story, and yet there are a lot of local, and yet very local elements, like le camion, the music, also the beer, everything is very local. Was it conscious to really work on the local aspect of the film? Oui, c'était très conscient. Je trouve que le terreau wallon, le côté, enfin tout ce qui se passe là devait être extrêmement incarné dans quelque chose de très réel, de très véridique, en gardant les accents des figurants, enfin notamment des clients de la boulangerie qui rentrent et qui sont vraiment, enfin voilà. La fête folklorique, je l'avais découverte sur mon court-métrage. Je rêvais de filmer ça parce que je trouve que c'est la poésie de la désuétude. C'est-à-dire, à un moment, c'est même plus du carnaval. Il y a quelque chose qui moi, me bouleverse dans cette volonté d'être ensemble par un rituel qui est le plus désuet du monde. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc tout ça, en fait, j'avais envie de le mettre en scène. Il y a eu... je pense qu'on a discuté un quart d'heure de un moment de faire ça en région française et en Bourgogne. On a discuté de ça un quart d'heure. C'était absolument inconcevable dans ma tête, vraiment. Le corps, la manière dont cette boulangerie opère, son désastre économique aussi. Enfin, ces sortes de
C'était, à mon sens, l'ici et maintenant, enfin, c'était 2013 dans cette région-là, oui, évidemment. Děkuji, prosím, tam slovenský kolega, pan Sava. Tamhle. Ďakujem. Takže moja otázka bude patriť k hlavnému predstaviteľovi Noel. Prosím vás, už ste na rade. Woody Allen natočil taký film pod názvom Všetko, čo chceš vedieť o sexe, ale nemáš odvahu položiť určité otázky. Takže pardon, neberte túto otázku do mňa ako bulvárnu, ale vy osobne, ako ste prežívali tento príbeh a tie veľmi, veľmi ťažké erotické scény, vám robili nejaké problémy alebo vôbec žiadne, lebo ste profesionálny herec? Dušou aj telom. OK. Bonjour. Hello. Le français, c'est pas ma langue maternelle, donc je vais essayer de faire au mieux. Non, je dirais que les scènes de sexe étaient les scènes les plus, pas simples, mais les plus tidy, les plus je veux pas dire techniques, mais les scènes les plus difficiles pour moi, c'était les scènes où il fallait jouer. Et des scènes qui concernaient le jeu en soi. Et normalement, les scènes de sexe dans les films, c'est évidemment, moi je suis pas un acteur porno, donc j'avais pas l'habitude, mais normalement dans les films, les scènes de sexe, c'est des scènes très cadrées, très, on prend du soin pour les faire, donc non, c'était pas difficile à faire. En fait, les problèmes, c'était le jeu, comme toujours, trouver la manière de jouer les scènes, qu'est-ce qu'on doit jouer, à part le sexe. C'est clair? Oui, pour moi, oui. Oui? Is it clear? Děkuji. Yeah? Jestli dovolíte, položil bych otázku panu producentovi. Panu producentovi, jak těžké je natočit takhle umělecký film v podmínkách v Belgii? Jestli nějak přispívá fond na to tady. En Belgique, non. David est un réalisateur qui est maintenant reconnu et on n'a pas eu trop de mal, mis à part par rapport aux télévisions, c'était évidemment plus compliqué. Mais le montage financier en Belgique n'était pas compliqué. On a essayé de le coproduire avec la France, mais je pense que la France est plutôt dans une impasse au niveau de la coproduction de films. Donc on a trouvé un système de coproduction qui était assez naturel avec le Canada, mais évidemment avec un thème qui est quand même un peu touchy, la coproduction n'était pas tellement évidente. Et effectivement, le fonds Wallon, Wallimage, nous a financé sur le film, oui, bien sûr. Merci. Je peux peut-être compléter en disant que pour donc Wallimage est un fonds vraiment lié à la région wallonne, donc le sud de la Belgique, et c'est un fonds économique, donc ça veut dire qu'il cherche surtout à générer de l'emploi, hein, des dépenses audiovisuelles dans notre région. Mais c'est évidemment très très important pour nous d'avoir des réalisateurs. Bon, on a la chance d'avoir les frères Dardenne, vous savez, qui prennent beaucoup de palmes d'or, etc. Mais ce qui est très important surtout, c'est d'avoir la génération suivante. C'est pour ça qu'on accompagne David Lambert, auquel on croit énormément comme réalisateur, depuis son premier long métrage. Enfin, donc c'est notre deuxième expérience et on est très très fiers d'avoir pu s'associer à ce film. Mais je profite de l'occasion pour dire qu'on serait très fiers aussi de pouvoir monter des coproductions avec la Tchéquie, puisqu'on a entendu que vous aviez plus d'argent pour le cinéma depuis quelques jours. Donc voilà, Jean-Yves Roubin est l'homme idéal pour faire des coproductions. Děkujem, prosím, pan kolega, zde v první řadě.
J'ai une question pour vous, Nawel. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez préparé le rôle au-delà des scènes de sexe dont on a déjà parlé, et en particulier votre travail avec Jean-Michel? I'm sorry, would you prefer English? Je voulais savoir comment vous avez préparé le rôle, et en particulier votre travail avec Jean-Michel, au-delà des scènes de sexe, hein, comment vous avez travaillé ce rôle, parce que si vous êtes aussi différent dans la vraie vie que, par exemple, dans la boulangerie, ça n'a pas forcément dû être simple. Et une dernière question pour le réalisateur aussi, votre film Hors les murs, donc Beyond the Walls de 2012, traite aussi du thème de l'homosexualité et des difficultés que l'on rencontre dans l'amour, dans le couple. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis ce film? Et voilà, merci. Ce qui était super pour le film de David, c'est qu'on a eu assez de temps de préparer, de répéter, de lire, d'imaginer, d'avoir des hypothèses de jeu, de s'ennuyer, de lire, d'imaginer. Ouais, donc c'était très créatif et très libre. Et David, il nous donnait la liberté d'apporter des trucs et de créer, d'inventer des personnages. Et par rapport au lien, on s'est très bien entendu avec Jean-Michel, et je pense qu'il y a une différence déjà au niveau physique, évidemment, et même au niveau de comment on joue. Moi, j'étais plus chaotique, peut-être, et lui, il est très théâtral, et il a une habitude de répéter. Et je pense que ça servait au personnage, parce que Lucas, c'est un peu comme un animal dans un cage. Et cette énergie m'aidait à vouloir sortir, quoi. Et lui, il essayait de cadrer plus les choses. Et c'était assez naturel et facile et très fluide. Ouais, il faut se rappeler, parce que ça fait un an, non ? Un an, plus d'un an ? Qu'on a fait le film ? Non, moins d'un an. Ouais, mais j'ai fait trop de choses. C'est ça. Voilà. C'est bon ? Yeah ? L'évolution par rapport à Renouveau, moi je sais pas, je fais les films que j'ai envie de faire. J'ai la chance de faire les films que j'ai envie de faire, parce que c'est une chance. Il y a un privilège, donc oui, enfin moi, il y a vraiment des choses qui ont beaucoup évolué, évidemment. J'ai senti que j'ai exploré d'autres territoires. Après, je pensais plutôt à vous, journaliste, de voir les deux films et me dire comment j'ai évolué. Moi, je peux pas vraiment. J'aurais juste envie de dire qu'il y a quelque chose. Oui, en effet, sur la direction d'acteur, pour rebondir sur ce que Nawel dit. Enfin, direction d'acteur, c'est un terme que je n'aime pas. D'ailleurs, c'est vrai que j'essaie de trouver des acteurs qui ont des forces de proposition, qui ont des univers qui font que le personnage que j'ai écrit ça va pas être du copier-coller de ce que j'ai dans la tête, ça va encore aller plus loin, même si je peux resserrer, mais j'ai chaque fois, à chaque étape du film, j'ai envie qu'on aille plus loin. Et c'est un sentiment que j'ai eu jusqu'au mixage son. Ça veut dire chaque collaborateur a été plus loin que ce qu'on lui proposait basiquement. Et sur l'union, sur le duo, ça c'est quelque chose que j'adore et que j'ai encore envie d'explorer plus tard. C'est vrai que sur Hors les murs et sur Nawel et Jean-Michel, il y a deux manières d'aborder le jeu qui sont différentes. Et ce qui est très intéressant à mon sens, c'est de les faire matcher, c'est de jouer cette confrontation-là. Parce que du coup, je trouve que les films ont des porosités, ont des aridités, ont de la vie qui font que c'est pas lisse, quoi. On n'est pas en train de regarder un téléfilm où tout le monde est à l'unisson, mais on est dans une confrontation qui est cohérente avec le sujet en plus. Donc ça, c'est quelque chose que je recherche quand je pense à quel acteur va pouvoir nourrir le film. Ouais. C'est intéressant que tu aies employé le mot « matcher » parce que, je voulais attirer votre attention, c'est aussi une rencontre entre la Belgique et l'Argentine, ce film. Et ce soir, il y a le match Belgique-Argentine au Mondial.
Donc on va voir la tête des comédiens ce soir, parce que le match sera juste terminé au moment où on va projeter le film. C'est une autre approche. Oui. Děkuji. Prosím, ještě bych se zeptala pana producenta. Když tento film je hotov a půjde v Belgii do kin, půjde do normální distribuční běžné sítě nebo do nějaké sítě Artkin? C'est clair qu'on est plus dans un film qui peut s'inscrire dans un circuit à arrêt essai, de salle à arrêt essai. Après, on a de la chance en Belgique d'avoir un réseau à arrêt essai plutôt bien développé. Voilà, donc là, on a encore tout le travail à faire, effectivement. Le film est tout chaud, il a été terminé il y a quelques jours ou semaines maintenant, donc c'est encore un peu tôt pour en parler, c'est la toute première mondiale ce soir. Et au niveau de l'international, je laisserai la parole à mon agent de vente qui sera là, voilà. Děkuji. Prosím, ještě máme místo na poslední otázku, pokud máte nějakou. Pokud ne, tak bych poděkovala naší delegaci, popřála jim mnoho úspěchů ve festivalovém soutěžení a těšíme se na setkání na všech tady různých platformách. Děkujeme.